soul to old lady. Dedicate this song to my lady blue. Dedicate this song to old lady. Yankee blonde is on my mind, be Yankee birds in my life. Dedicate this song to my lady blue. Dedicate this song to. Bonjour. Bon, moi c'est Edwige. Esthéticienne masseuse, prothésiste oculaire à l'IFPE. Je suis là pour vous aider et répondre à toutes vos questions. Ici nous sommes dans la salle des élèves, pratique et théorie. Donc je vous fais visiter la salle et des cours théoriques. Nous avons des enseignants, puisque nous sommes la première promotion CAP au Sénégal. Alors là, c'est le coin make-up, pratique, make-up et coiffure. Et ici, nous sommes des images plutôt en biologie, mieux expliquées, dans des coins coiffure, pour les shampoings, pour les élèves. Pratique, bien sûr, là, on montre comment laver les cheveux. Alors, c'est tout déjà pour la salle de classe. Je vous invite à la suite de la visite. Merci. Suivez-moi. Tout ce qui concerne épilation, tout ce qui concerne les massages tonifiants ou alors de la lipocavitation, moi je peux dire un peu ça, c'est ici que nous le faisons et les cours pratiques en ce qui concerne les cours de massage, c'est ici que nous le faisons. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, nous avons des machines à disposition pour les soins de la dernière technologie. C'est ça, nous avons des appareils pour les soins. Là, ce sont les lampes rouges, tout le monde les connaît. Là, ce sont les machines de peau. Nous avons les cellulites, puisque beaucoup de femmes aujourd'hui, pas seulement les femmes, bien sûr, souffrent de cellulite. Et là, nous avons la lipocavitation. C'est là, nous avons des appareils pour. Et nous faisons aussi beaucoup dans le massage traditionnel. Nous faisons aussi dans le madérothérapie. La madérothérapie, ça se cuisine avec du bois et ça demande aussi beaucoup de l'énergie. Et bien, c'est ça déjà pour la visite. Et je vous amène du côté de la pédicure, manucure et coin coiffure. On y va, continue. Ici c'est notre coiffeuse, nous sommes dans le secteur coiffure, là c'est elle la responsable ici, c'est ma collègue. C'est elle qui les a tenus. Hein. Okay. Moi j'ai pris les élèves en cours. Mm-hmm. C'est elle qui l'a responsable. Allez, viens ici. Voilà, c'est elle la responsable, c'est elle qui a formé ses élèves. Mm-hmm.
qui recevront leur l'attestation aujourd'hui, c'est elle. Donc c'est la responsable. Elle est professionnelle maquilleuse, esthéticienne, coiffeuse. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire à propos de... Je vais m'exprimer. Ça commence déjà. Hein. Mais là, on a un peu de fumée. Là, c'est le point pédicule, manicule. Nous avons des appareils, des vernis. Nous faisons aussi les soins de corps. Nous avons faire du sport, parce que le rythme cardiaque est plutôt accéléré et on perd en graisse. Oui. Alors, ceux qui aimeraient vraiment découvrir, n'hésitez pas. Donc, je conseillerais après une couverture chauffante de faire un soin de corps, gommage. Comme vous êtes à l'entrée, est-ce que c'est possible qu'un homme... Il y a même des élèves hommes qui font la formation en massage. Enfin, massage californien, massage confiant, de l'action. Quand vous dites des massages, est-ce que vous ne pouvez pas développer massage tel, ça consiste à faire tel. Déjà, mais le plus connu, ce massage suédois. Les gens viendront et diront le massage, je vais un massage relaxant. Je vais un massage, je suis fatiguée, je vais dormir. Mais dites le massage suédois. Parce que le massage suédois, en lui, on retrouve toutes les techniques. Même si après, on va en profondeur avant de dire non, celui-ci c'était un massage tonifiant, celui-ci était un massage californien. Mais dites, je vais un massage suédois. Si vous avez dit ça, le masseur, lui, saura que son sujet, il a besoin d'être massé de la tête aux pieds. Jusqu'au cuir chevelu, quand je dis de la tête, c'est ça. Bon, nous avons le massage suédois, le massage californien. Nous avons même cet massage un peu tonifiant. Donc là, ce massage vraiment tonifiant, c'est un massage où on va en profondeur des tissus et des muscles. Et c'est un peu douloureux. Déjà, généralement, je fais le massage tonifiant, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est un massage des sportifs aussi. Donc c'est pour les sportifs. Bon, maintenant, nous faisons aussi l'aromathérapie. Là, c'est pour des gens qui ont été opérés, soit des gens qui vont être opérés après prescription médicale. Ils peuvent faire un massage juste pour relâcher le muscle et on les aide comme ça. Tout le monde peut masser. Ah oui. Déjà, si je dis comme ça, je laisse là, elle va ressentir la pression. Là, c'est massé. Vous avez massé son coin. Là, c'est me dire, ah, j'ai mal ici. Si je viens, je mets une pression là. Il faut juste savoir maintenant quel genre de doigt poser. On appelle le point gadget. Vous comprenez? Donc maintenant, tout le monde peut masser, c'est vrai. Maintenant, il faut entrer en profondeur pour être professionnel et savoir des techniques et les différents types de massages. Puisqu'on ne masse pas juste avec des mains libres, on a besoin des huiles et des baumes pour pouvoir masser. Il faut les connaître. Il faut connaître les nerfs, il faut connaître les muscles avant de masser. Donc tout le monde.